Pour mettre des casques sécurisés, des armures, des protections. L'ensemble du corps est une cible, sauf le sommet du casque, qui ne compte pas. Les coups doivent être armés pour être valides, c'est-à-dire arriver en pleine puissance. Et on doit, encore une fois, toucher sans se faire toucher. Les doubles touches ne comptent pas. L'arbitre, avec son impartialité légendaire, va vérifier évidemment que les coups sont valables. Et les combattants vont devoir, encore une fois, marquer 3 touches pour gagner le combat. J'appelle donc les combattants. Premier combattant à s'avancer. C'est limité. C'est lourd en plus. Sans maille. Oh oui, je vous en prie, non, moi, non, je n'en ferai rien tout de même. Ah, Brienne d'Arles qui s'avance, une femme combattante, encore. Très valeureuse. Elle va affronter une autre femme combattante, Claire, sergent Claire, qui elle aussi est une combattante débutante et qui va apprendre le métier durement, je pense. Saluez-vous. Saluez le public. Brienne, à gauche, défend les couleurs des arts. Claire, à droite, défend les couleurs de Jérusalem. Combat. Continuez, continuez. On enchaîne. Touche à la jambe. On arme bien les coups pour qu'ils soient valides. Double, ça ne compte pas. Touche, oui. Un point pour Brienne. Non, un point pour... Deux points pour Claire. Balle de match. Allez, on arme bien les coups. Touche. Un point pour Brienne. Touche. Trois points. Victoire de Claire. Bravo. Saluez. J'appelle les combattants suivants. Sergent Borgandion, des Griffons d'Arverne, va défendre les couleurs des arts contre le dandy de Tripoli, connu d'Antioche jusqu'à Jaffa par toutes les tavernes de bonne compagnie. Saluez, vous avez déjà salué, saluez votre arbitre généreux. Ah oui, il l'aime beaucoup. Ça va être un combat sympa. Messieurs, combattez. Très bien. Touche. Un point pour le dandy de Tripoli. Touche. Oui. Le dandy a failli partir dans le public. Un point pour Borgandion des Griffons. Un point chacun. Deux points à un. Borgandion, magnifique combat. En garde. Combattez. Double, non, touche. Combattez. Touche. Égalité.
Touche, 3 points à 2, victoire de Port-d'Andion pour les Griffons d'Arvers. Et voilà, c'est reparti pour des câlins, super. C'est une mièvrerie. Ah, Seigneur Odon, Odon d'Arverne, qui combat pour les couleurs des arcs, ici, contre le Seigneur Simon de Jérusalem, connétable, qui défend les couleurs de Jérusalem. Messieurs, combattez. Tête. Une réaction. Ben il fait chaud. Non, pas tellement. Moi ça va. Regarde. Bizarrement sur la maille, ça va. Un point sur la maille. Touche. Double. Oh. Oh. On en a marre des doubles. Simon Odon. Simon Odon. Continuez. Pas de touche. Touche, oui. Un point pour Simon. L'arbitre n'a rien vu. On demande un ralenti, la vidéo, on veut le ralenti. Montrez-nous le ralenti, montrez-nous la vidéo, allez-y. Montrez-nous le ralenti, on veut voir la scène, voilà. Ah bon, ils ont fait ça, vraiment? Non, j'ai pas vu. Hein. Ouais, c'est pas très net à la vidéo. On reprend. Ah oui, on a la vidéo, hein. C'est un avantage. C'est la vidéo du 12e siècle. Oui, c'est pas hyper précis, c'est les souvenirs. Touche. C'est un casque. C'est mort. L'arbitre, il fait durer le plaisir. On l'a capté. C'est bien parce qu'ils ont pas chaud. C'est ça qui est bien. C'est pas fatigant. Oui. Touche. Un point pour Simon. Nous sommes donc à 2 points à 2, si j'ai bien compris. Égalité, donc balle de match. J'essaie de suivre. C'est difficile. Un mot. Alors vous pouvez soutenir le Seigneur Odon pour les arcs ou le Seigneur Simon pour Jérusalem. Oui, Galiti. On me demande un match à mort. Jusqu'à ce qu'ils soient asphyxiés sous leur homme. Oui, je trouve que c'est une bonne idée. Allez, Odon!
Mais continuez, on a dit que ça continuait. Oh, c'est une lièvrerie. C'est Kimo. On n'est pas là pour voir ça. Hein. Oh là là. Si c'était pour voir ça, on serait allé à la taverne. Égalité, on en a marre de vous voir vous faire des câlins. Allez, retournez dans les rangs, c'est bon. Allez, on veut deux combattants qui se haïssent maintenant. Ah, voilà. Le seigneur Charles. Oui, je sais comment ça a fini, mais ça va être très bien. Ça va être très bien. Il a rien aux jambes. Adieu. Contre Yann, qui a mis son casagan. Salut le public. Saluez-vous. Seigneur Charles pour les arcs, Seigneur Yann pour Jérusalem. Combattez. Pas de touche, continuez. Touche, oui. Un point pour Yann. Double. Très net, là. C'est plus dangereux pour l'arbitre que pour les combattants. Je suis bien là où je suis. Touche, oui. Un point pour Yann. À deux matchs. Oh, il a perdu son épée. Technique de désarmement. 3 points pour Yann, vainqueur. On fait un autre assaut. Et on fait un autre assaut, bien évidemment. Oui, on est d'accord. Ah, il a disparu. Touche. Double. Double, triple, quadruple, 15, 20, 30 points. Nous sommes à 30 points de chaque côté, bravo. Bravo. J'appelle tous les combattants à venir saluer le public. Est-ce que vous en voulez encore? Allez, une dernière. Ok, on vous saluera plus tard. Allez, un dernier combat. Allez, il peut se battre, c'est bon. Tous contre tous. Toi aussi, tu peux te battre. Mais tu t'es déjà très bien battu, t'as gagné, on t'a vu. C'est bon, merci. Papy Baudouin, il est toujours fatigué. Ah oui. Maintenant, il arbitre. Ça va le dandy, j'entends bien avec Claire, ça va, c'est cool, ouais, super. Ouais.